Bonjour les amis, ici Anthony Nevo pour videdingue.com. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une méthode bien spécifique qui rejoint le développement personnel. Cette méthode, c'est la méthode Tipeee. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas du tout. Personnellement, il y a 2 semaines de ça, j'en avais jamais entendu parler. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je tenais vraiment à vous en parler justement dans une vidéo. Alors, la méthode Tipeee, c'est quoi? C'est une technique d'identification sensorielle des peurs inconnues. Ça peut paraître très bizarre, ça peut paraître étrange, ça ne l'est pas du tout et c'est en fait très très simple. Cette technique s'adresse à des personnes, voilà pourquoi je vous ai en parlé, parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes. Cette technique s'adresse à des personnes qui vont rencontrer des peurs dans leur vie, des phobies, tout un tas d'événements en fait qui se produisent dans leur vie et qui vont créer une émotion. Imaginons par exemple les gens qui ont peur de l'eau. Ça, c'est des peurs qui reviennent énormément, des gens qui ont peur de l'eau. Bah, à chaque fois que ces personnes essayent de rentrer dans l'eau, il y a tout un tas d'émotions qui sont créées dans leur corps. C'est pas conscient de leur part, ça se fait dans le, c'est inconscient et c'est surtout incontrôlable. Et ça les empêche d'aller plus loin. Les gens qui ont peur de prendre la parole en public, c'est la même chose. S'ils doivent se rendre sur une scène et que, je sais pas, il y a 100 personnes, il va y avoir tout un tas d'émotions qui va se créer automatiquement, donc il ne contrôle strictement rien, les battements du cœur à fond, il va avoir, je sais pas, les mains qui vont transpirer, enfin qui vont transpirer, vous allez avoir des tremblements, il y a des gens qui vont avoir des boules dans la gorge, des boules ici, enfin, il y a tout un tas de choses qui va se passer dans votre corps et qui est incontrôlable. Donc il y a ça, il y a d'autres choses, je sais pas si vous avez une phobie complète des araignées, à chaque fois que vous voyez une araignée, bah, il se passe aussi quelque chose dans votre corps que vous pouvez pas contrôler. Donc je vais pas vous citer tous les exemples, je vais en citer quelques-uns qui sont très connus, mais il y en a énormément, il y en a plus d'une centaine. C'est tout ce qui est relié aux peurs et aux phobies, en fait tout ce qui va créer une émotion, ça permet de contrôler les émotions. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que comme je vous disais il y a 2 semaines, je ne connaissais absolument pas cette méthode Tipeee. Dans ma vie, moi, personnelle, alors je vais pas vous dire quoi exactement, c'est pas le but de cette vidéo, mais dans ma vie personnelle, il m'arrive que quand il se passe un événement, et cet événement, je le rencontre assez régulièrement dans ma vie, j'ai des émotions qui sont automatiquement créées, qui surviennent, et que je n'arrivais pas du tout à contrôler. C'est-à-dire que malgré toutes les techniques que je connais, en PNL, au niveau de la respiration, donc à chaque fois que ça m'arrivait, j'essayais de contrôler, j'essayais de respirer, j'essayais de faire tout un tas de choses, je me suis même mis à l'épreuve plusieurs fois devant cet événement pour le surpasser. Mais manque de bol, enfin entre guillemets, à chaque fois que ça se passait, j'avais toujours ces émotions qui revenaient et c'était vraiment très intense et ça me bloquait tout simplement. Ça me bloquait pour continuer tout simplement. Je me suis renseigné un peu sur internet, j'ai regardé un peu à droite à gauche, je suis tombé sur un article de blog où on parlait de cette méthode. Au début, ça m'a un peu interpellé, puis j'ai quand même creusé sur ce sujet. Ensuite, j'ai cherché s'il y avait des personnes qui étaient certifiées Tipeee autour de moi. Il se trouvait qu'il y en avait 4 ou 5. J'ai appelé une personne qui est venue chez moi, qui m'a fait une séance de Tipeee, justement. Et cette séance a désactivé, et j'ai rien à vous gagner, on va dire, à dire ça, mais je vous promets que c'est vraiment le cas, que ça a vraiment exceptionnellement marché, ça a désactivé justement les émotions que je rencontrais. C'est-à-dire que suite à la séance, je me suis remis dans la situation exprès pour voir si c'est toujours là et ça a été désactivé. Voilà pourquoi je voulais pas vous parler de cette méthode parce que elle est entre guillemets miraculeuse. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui va vous permettre en une seule séance, si vous prenez un coach certifié Tipeee, vous faites une séance avec quelqu'un, vous avez besoin généralement de une seule séance et en à peu près 10 minutes, 15 minutes, même beaucoup moins chez certaines personnes, le problème est réglé, c'est désactivé. Donc quand il vous arrive des choses, je sais pas, il y a énormément de... Par exemple, j'aurais parlé de mon problème, je serais allé voir un thérapeute ou je sais pas, quelqu'un pour mon problème, il m'aurait sûrement dit ouais, bon, il faudra une dizaine de séances, ça va être un travail de long terme, etc. Ici, avec cette méthode, ça a été désactivé. En fait, pourquoi? Je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement. C'est que quand, si vous rencontrez des peurs, des phobies ou des émotions qui arrivent dans un tel type d'événement, c'est tout simplement que vous avez sûrement eu cet événement qui s'est passé dans votre vie,
Ça peut être il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Souvent, c'est inconscient de votre part, donc vous en rappelez même plus. Par contre, c'est inscrit dans votre inconscient. Et quand vous allez vous représenter dans cette situation, imaginez quelqu'un qui va sur une scène et qui se présente pour faire un discours devant plein de monde. Et il y a 50 ans de ça, cette personne a fait la même chose en classe. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, par exemple. Ça a été gravé dans son inconscient. Alors, il y a des personnes à qui ça va rien faire du tout. Par contre, lui, ça a été gravé dans son inconscient. Et à chaque fois qu'il essaye de faire ça, qu'est-ce que fait son corps? Tout simplement, il lui envoie tout simplement des signaux d'alerte, c'est-à-dire le battement de cœur très fort, les tremblements, de l'adrénaline, quelque chose de très intense qui va le paralyser. Et son corps, il lui dit quoi? Il lui dit taillot, en gros. Il lui dit pars en courant parce que cette situation, on l'a déjà vécue, c'est dangereux. Et ça, malheureusement, malgré si vous connaissez des techniques de respiration ou plein d'autres techniques, vous allez avoir beaucoup de mal à le maîtriser. Et ça, c'est vraiment super. D'ailleurs, suite à ça, j'ai assisté le week-end dernier à une conférence, c'était à Genève, spécialement sur Tipeee. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages. Vous pourrez regarder sur Internet, il y a beaucoup de personnes maintenant qui utilisent ça. Et ce qui est bien aussi, ce qui est même super, c'est que vous pouvez le faire vous-même. C'est-à-dire que une fois que, si vous faites une séance, par exemple, je vous conseille d'appeler quelqu'un, un professionnel, mais ensuite, vous pouvez très bien faire en sorte qu'il vous explique. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est très, 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 très simple, ce qui vous permet après de le faire vous-même. Ce qui vous permet après que quand vous êtes dans la situation, une situation par exemple se présente, ça peut être aussi si vous vous mettez en colère pour une situation bien précise, où votre mari, votre femme vous agace par exemple tout le temps, ça c'est des émotions qui sont créées. Et sur le fait, pendant qu'il vous arrive une émotion qui vous arrive désagréable, que vous voulez enlever et que vous voulez qu'il ne revienne plus surtout, vous pourrez faire justement cette méthode Tipeee en direct dès que vous rencontrez un événement. Ce qui est bien, c'est que c'est après désactivé. Ça veut dire que c'est fini, vous n'en parlez plus après. Donc c'est vraiment une super méthode. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager parce que je sais que ça peut aider vraiment énormément de monde. Et voilà donc voilà pour cette méthode. Regardez, il y a un site, je crois c'est tipeee.fr il me semble, ou .com, enfin vous regardez, tapez Tipeee sur Google, vous aurez le site officiel et dessus il y a tous les praticiens certifiés justement sur Tipeee que vous pouvez appeler. Alors petit truc en plus que j'ai vraiment bien aimé, c'est que la personne que j'ai appelée moi et qui est venue chez moi a bien sûr pris un chèque à la fin de la séance, c'est normal, elle est payée. Mais par contre, cette personne était tellement sûre de sa méthode, ça vous le voyez, on va dire, très rarement. Elle était tellement sûre de sa méthode qu'elle m'a tout simplement dit, vous m'appelez, elle m'a dit, vous m'appelez en fait, vous m'appelez pour m'informer si votre problème est réglé ou non. S'il est informé, j'encaisserai le chèque. S'il n'est pas réglé, on fera une deuxième séance. Mais normalement, il n'y a jamais... Enfin, elle, en tout cas, cette personne qui est venue chez moi, elle n'a jamais eu à faire de deuxième séance. Par rapport à ce que j'ai vu sur Internet, à chaque fois, pratiquement, c'est réglé dès la première séance et en quelques minutes seulement. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une super méthode. Si, ne vous en privez pas, si vous arrive des choses qui vous bloquent dans la vie, c'est vraiment quelque chose de super. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Comme je vous dis, ça peut aider énormément de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt les amis. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la suite des vidéos.